Bonjour et bienvenue à VTA. Aux nouvelles, un groupe extrémiste d'humoristes se serait barricadé hier soir au Balthazar de Laval. Il revendique 4 soirées d'humour, soit le 4 et le 18 novembre, ainsi que le 2 et 16 décembre, soit un lundi sur deux. Notre reporter, Guy Martel, était sur place. Selon les autorités, les suspects seraient Alex Hamel, Danick Martineau et leurs 4 invités surprises. Ils seraient même armés jusqu'aux dents de puissantes plaisanteries, de quoi faire rire même le rappeur québécois Simon Loud. Contrairement aux attentes, les Lavallois n'étaient pas trop inquiets de cette annonce. On les écoute sur le sujet. Il va se passer de quoi de gros le 4 novembre à Laval? Savez-vous c'est quoi, vous, là? On va retrouver mon mari? Je te pose une question, après tu décolles, OK? Soit un lundi soir au Carrefour Laval, tu kidnappes des personnes âgées, ou tu vas rire avec 4 humoristes surprises aux soirées d'humour du Balthazar. De même, mettons là, qu'est-ce que tu ferais? Toutes. Toutes? Ouais. Des beaux humoristes, un lundi sur deux, allez-vous venir, vous? Non. Moi, je suis pas capable d'avoir du fun, j'ai trop de cul en chou-fleur. Les animateurs, c'est Alex Hamel pis Danick Martineau. Ok. Ah oui? Wow. Ah oui, je le connais, le petit Danick Martineau, avec sa babyface. J'étais petit gars-là, j'y ferais prendre son bain à la maison. Ah oui, prendre son bain? Ben oui, absolument. Prendre son bain habillé? Absolument pas, là. L'autre animateur, Alex Hamel? Ben, je le connais pas. Mais même s'il est pas connu, Alex Hamel, il est drôle. Ah ben là, je m'en calisse. Mangez de la marde, madame. Okay. Des ambulanciers, des défibrillateurs, ainsi que des couches pour adultes seront remis aux citoyens pour leur protection. Plus de détails lors de la première soirée, le 4 novembre. C'était Guy Martel pour VTA Nouvelles.